Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un oracle, que j'ai reçu des éditions Très Daniel. Je remercie d'ailleurs Isabelle qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Un oracle que je n'avais absolument pas vu passer quand je regardais les nouvelles sorties et franchement c'est une très très chouette surprise parce que j'aime beaucoup les illustrations. Donc il s'agit de l'oracle de la magie intérieure, découvrez vos vérités cachées, de Fiona Horn et illustré par Marcella A. Bolivar. Voilà, voilà. Et voilà, bon, c'est une assez petite boîte par rapport aux grandes boîtes qu'on a d'habitude. Et bah, vous voyez déjà les illustrations. Voilà. On va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Ouvrez la porte vers vos vérités cachées et derrière chaque porte, trouvez la lumière qui éclairera votre chemin et vous guidera. Cet oracle vous invite à la contemplation et constitue un miroir pour votre âme, qui vous permettra de véritablement mieux vous connaître. Soyez ouvert à cela, vous méritez mieux qu'une solution provisoire. Chaque carte revêt un aspect magique puisqu'elle propose un rituel fondé sur la sagesse des sorcières dont vous pourrez bénéficier. Vous n'êtes pas obligé d'observer le rituel, mais vous en aurez sans doute envie d'accomplir un peu de magie en vous plongeant dans ces cartes et ainsi faire vos premiers pas sur le chemin de la sorcière. Donc si vous avez trois petites illustrations des cartes hein, et le coffret comprend 36 cartes et un livre de 112 pages et il est au prix de 24,90 €. Donc il est chez Vega. Voilà, voilà. C'est un jeu qui ne plaira peut-être pas à tout le monde parce que les illustrations sont assez sombres. Moi, je trouve qu'il est parfait pour cette période d'automne, justement. Et il aurait vraiment été dans mes jeux d'Halloween, celui-ci. Voilà. Mais bon, je l'ai reçu après, donc il n'en fait pas partie. Donc, on a le guidebook. Et alors, on a ici les cartes et l'intérieur de la boîte. Très joli, ils ont soigné. Il y a des petites étoiles. Je trouve ça très joli. Donc, on va attendre que le petit coucou arrête de faire son boucan. Donc, voilà. On a le sommaire avec une introduction, comment utiliser les cartes. Puis, après, on a des exemples de tirage. Et ensuite, on passe au message des cartes. Puis, un petit à propos de l'autrice et de l'illustratrice. Voilà. Alors, l'introduction, on nous dit que l'oracle de la magie intérieure constitue une aide pour avoir une vision des choses plus globales lorsque l'on n'arrive à voir que la partie émergée de l'iceberg et qu'on a besoin de prendre du recul. Ce paquet de cartes est conçu pour apporter clarté et confirmation à vos pressentiments et il se pourrait que parfois, il vous montre l'opposé de ce que vous pensez à et ressentez pour une bonne raison. Et le reste, je vous laisserai lire. Voilà. Comment utiliser les cartes? Ici, ben voilà, elle nous explique hein, qu'elles sont conçues spécifiquement pour être tirées pour soi-même. Elle nous suggère de prononcer une petite phrase. Bon, ça, vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà. C'est vraiment la préparation et comment poser la question. Ensuite, on a les tirages. Ici, avec le tirage unique. Donc, ça, c'est en une carte. Le tirage de deux cartes, un tirage en trois cartes, ici c'est passé, présent et futur, assez classique. Et un tirage en neuf cartes, un tirage secondaire. Oui, il y a quand même pas mal de tirages. Ensuite, on passe aux cartes, donc on a l'illustration en couleur, j'aime beaucoup la clé ici. Le nom de la carte, une petite phrase qui résume, et ensuite on va nous expliquer le message, etc., la carte. Et à chaque fois, on va avoir un petit rituel qu'on peut faire ou ne pas faire. Ça, c'est comme vous le sentez. C'est très, très chouette, je trouve. Voilà. Et alors ici, à la fin, on a l'autrice qui est australienne. Et ici, l'illustratrice. Voilà, qui est spécialisée dans les techniques de photomontage, artiste numérique. Voilà pour le livret. Donc, on va regarder les cartes maintenant. Le dos, moi je le trouve très très joli avec toutes ces clés enchevêtrées ici, toutes mélangées, c'est très très joli. Les tranches sont neutres. Et voilà pour les cartes. Bon, je les ai déjà mélangées, voilà. La panacée, tout problème a sa solution. Sacrifice, que pouvez-vous laisser derrière? Vous voyez, elles sont assez sombres. Hein. Solitude, seule mais pas esseulée. Tangibilité, faites de vos rêves une réalité. Avec l'oiseau là.
Lucidité, aimer l'obscurité. C'est spécial, le corbeau, on irait à cheval, la mix des deux, spécial. Ubuntu, compassion envers autrui. Vous voyez, la feuille va dans l'œil. C'est assez... Moi, j'adore, hein, personnellement, mais bon, ça pourra en rebuter peut-être quelques-uns. Vertigo, qu'importe votre choix, ce sera le bon. J'aime beaucoup aussi celle-ci. Firgun, devenez un miroir aimant. Embrasement, tout est dans votre tête. Sortilège, ne bougez pas et laissez l'ennemi se révéler. Résilience, laissez le passé partir en fumée. Maximus, comment nourrir les autres si votre propre table est vide. Je trouve très très belle aussi celle-ci. Elle fait un peu, vous savez, avec le chapelier fou quand il prend le thé là. Fait un peu penser à ça. La sorcière, la magie que vous recherchez se trouve en vous. Laissez-la déferler, elle est très belle aussi. Enfin, moi, je les aime toutes, hein, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas cet univers un peu sombre. La capacité, la clé est à portée de main. Effervescence, cultiver l'amour. Épiphanie, révéler vos talents. Je vais la pousser parce qu'il fait le focus sur la bougie. Époque, faites une pause dans votre voyage. Celle-ci aussi pourrait faire peur, oui, il n'y a pas de tête. Opulence, commencez à diriger. Orenda, honorez votre force mystique et créatrice. Paradisiaque, votre place est au paradis. Phénomène, restez immobile et écoutez les esprits. Protection, posez vos limites personnelles. Fait un peu penser à un hérisson qui sortirait ses pics pour se protéger justement. Nas, sentez-vous aimé et fier. Oubli, ouvrez les bras. Et ici on dirait qu'au lieu des bouquets de fleurs, on dirait des ailes. Eunoia, tout en parfait équilibre. Ici il y a une couronne d'épines, là aussi des ronces. Mosaïque, laissez le hasard jouer son rôle créatif dans votre vie. Euphorie, honorez-vous. Le masque est beau, hein. Merak, embrassez votre unité avec l'univers. Minimus, communiquez avec la source. Ave noir, faites la paix avec votre passé. Pas toujours évident, ça, hein. Buo, changez votre façon de voir. Détox, purifiez-vous et restaurez-vous. Samadhi, acceptation parfaite. Sérendipité, suivez le courant. Libération, libérez-vous. Je trouve très belle, moi, avec ce crâne de corbeau. Enfin, d'oiseau, du moins. Et Lovaria, laissez grandir l'amour. Et là, on a un crâne. Il est vraiment... original. Voilà, on va dire ça comme ça. On va mélanger et on va en tirer une. Bon, ben on va prendre celle-ci parce qu'apparemment, elle a vraiment envie de venir. Elle voulait plus retourner. Ah ben voilà. Protection. Posez vos limites personnelles. Zou, la 26. Ça, c'est bien quand il y a des numéros. Ça évite de chercher dans tout le livre. Voilà. On va la mettre là. Protection. Posez vos limites personnelles. Les limites, il est temps de les poser. De petites zones de laideur vous empêchent de voir la beauté de votre environnement. La femme qu'on voit sur la carte protection s'accroche au moment présent. Pourtant, son dos couvert d'épines la protège des personnes négatives du monde extérieur. Elle n'est pas définie par ses épines, mais elle les garde à disposition. Si vous tirez cette carte, c'est que poser des limites numériques, notamment par rapport aux réseaux sociaux, revêt... une importance particulière. Les personnes que vous avez laissées accéder à votre espace n'avaient peut-être pas d'intérêt à... Je recommence. Les personnes que vous avez laissées accéder à votre espace n'avaient peut-être pas votre intérêt à cœur. Protégez-vous. Ne vous laissez pas atteindre par les idiots ni endurcir par la cruauté d'autrui.
Faites preuve de compassion envers leurs âmes meurtries tout en posant des limites claires. Ce n'est pas parce que d'autres se sont endurcis que vous devez vous endurcir aussi. Soyez sensible mais fort. Je suis absolument d'accord avec ça. Tout à fait. Le rituel sigil de protection magique électronique. Alors là, électronique, ça, je suis curieuse de lire. Mélangez 2 cuillères à café d'eau de pluie ou d'eau de source en bouteille, avec une pincée de sel, 3 gouttes d'huile essentielle de bois de santal et 3 de lavande. Plongez l'index de la main que vous utilisez pour écrire dans la mixture, puis tracez une étoile à 5 branches, un pentagramme, au dos de votre smartphone, tablette, ordinateur portable, tout ce qui constitue un lien entre vous et le monde hyper connecté. Soyez consciencieux en faisant cela et prononcez cette incantation. Que les pouvoirs de protection me cachent, que les pouvoirs de la positivité me guident. Vous remarquerez bientôt une amélioration dans vos communications et vos interactions sur les réseaux sociaux. La vie est plus importante et satisfaisante lorsque l'on privilégie la qualité à la quantité. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et entourons-nous de personnes positives qui sont gentilles tout simplement. Moi, je dis toujours, la gentillesse, ça coûte pas plus cher, quoi. C'est encore par rapport à un petit commentaire que j'ai reçu ce week-end qui disait « Ne pourriez-vous pas mettre le timing avec un point d'exclamation ?» Eh bien, ça m'a choquée. Je trouve qu'il y a des façons de demander. Moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit de... d'aller donner un ordre avec un point d'exclamation à quelqu'un. Et ben voilà, c'est le genre de personne auquel j'ai vraiment pas envie de m'entourer, moi. Voilà, c'était juste pour le petit exemple. Vu que la carte est sortie, ça me fait rire. Et ça m'a pas chagriné, je vous rassure. Voilà, ben moi franchement, je l'aime beaucoup. Je le trouve très chouette, j'aime beaucoup les illustrations. Vous savez que j'aime bien les jeux sombres. Il aurait vraiment pu faire partie de mes jeux, de mes oracles pour Halloween. Mais je ne l'avais absolument pas vu passer. Il m'avait échappé celui-là. Enfin, vous allez me dire, il en sort tellement des jeux pour le moment qu'au final, on ne les voit plus tous passer. Voilà. Donc, bah, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu passer, si ce genre, enfin, s'il vous plaît ou si il est, au contraire, les images sont trop sombres et vous ne les aimez pas du tout. Comme ça, on partage tout ça en commentaire comme d'habitude. Et bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Ça me fait toujours plaisir. Et pour le reste, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.